I don't know if you can hear me. I'm stranded here on this station. There's only a few of us left now. There's something stalking us. And now it's hunting me. Eh bien bonsoir à tous, chers amis, c'est Necros le seul, l'unique, et bienvenue dans notre 31e épisode. Notre aventure sur Alien Isolation, ça devient long cette affaire, ça devient beaucoup trop long. Ça traîne en longueur, je sais pas si c'est moi qui joue mal ou j'en sais rien, et toujours est-il que là, pour l'instant, ça commence à être long cette affaire. Allez, on va défoncer du tocard. Bonjour madame, voilà. Ah! Bon. Vu sous cet angle, forcément. Forcément, vu sous cet angle, là-bas, c'est compliqué. Eh bien, ça commence très très bien, moi je dis, cet épisode. Même pas une minute de passé et on est déjà mort. Bon, eh ben écoutez. Parfait. Alors. trouver un moyen d'amarrer le torrent. Oui, on en est là, c'est vrai. Mais avant ça, bien entendu, il faut qu'on rétablisse. Le courant. Transit de la station habitation Solomons. Rétablir le courant. Bien. Bien. Qu'est-ce que... Est-ce que l'autre va m'emmerder là? Si je peux pas l'attaquer... Je peux pas trop me cacher non plus. J'ai plus d'émetteur de son. Si, j'en ai un qui est prêt. Je peux éventuellement attirer l'alien pour qu'il le bute. Voilà. Ok, il est toujours là. Tu veux pas te barrer là, s'il te plaît, en fait? Ah oh putain, mais ce jeu quoi. Parfait. Du coup, cartouche de fusil et éthanol. Très bien. Alors j'ai du molotov, j'ai du machin, j'ai pas mal de choses. J'ai encore un peu de lance-flamme. Du coup. Il faut qu'on trouve un moyen de rétablir le courant. Le problème c'est que l'objectif, voilà. L'objectif il est pas ouf. Donc faut que je trouve. Faut que je trouve quelque chose. Pour rétablir le courant. Tout en y allant doucement bien entendu. Éviter de se faire cramer par le. Par l'alien. Sauf que j'ai vraiment pas l'impression que ce soit par là en fait qu'il fallait faire quoi que ce soit. Je comprends pas là. Faut se barrer, faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi je veux bien rétablir le courant. Pas de soucis. Encore faudrait-il savoir par où il faut aller. On est d'accord, il n'y a pas d'échappatoire. Je vais me coller à la paroi des fois que ça s'ouvre. Non. Ok.
Ouais. Le problème, c'est que j'ai nulle part où aller, là. Rétablir le courant. Déjà, je pense que... On va se faire une petite sauvegarde, comme ça, l'autre, au moins, il est crevé. Ça évitera de devoir le refaire. Ici, il faudrait que j'aille là-dedans. Mais le problème, c'est que bah, j'ai aucun moyen d'y aller en réalité. Je vais quand même bien regarder tout autour, sur les coins et tout ça. Là, y a rien. Y a rien, y a rien, y a rien. Bien. Qu'est-ce que je ne vois pas? Ah, mais attends, il y a une porte ici. Eh oui! Eh oui, eh oui! Mot de passe requis. Putain, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Toi, normalement, j'ai pas besoin de mot de passe. Ouais, voilà, soudure unique, parfait. Faisons cela. Ok. Cartouche de fusil. Très bien. La camelote, je prends aussi. Là, on a quoi? Cartouche de fusil, encore une fois. Seringue. Ça, 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 ça. Ok, il n'y a pas de nouvel outil à débloquer là-dedans. J'imagine que je vais avoir le mot de passe. Eh ben, alors, code pour travail de réparation. Hey Myers, j'ai fini le travail, je me tire. Si jamais tu viens pour réparer le système dans les 3 prochaines heures, je serai plus là. Le code qu'il te faudra, c'est 1851. Vous connaissez la musique. J'ai plus d'encre. Si, ça va. 1851. Bon, l'allié n'est pas loin, a priori. Faire gaffe. Ensemble pour demain numéro 4, il y a beaucoup de lectures. Je vous laisse mettre en pause, moi je lirai ça de mon côté. Si jamais ça vous intéresse, voilà. Pas clair au rapport. Vous avez mis trop de temps. J'ai été obligé de boucler cet endroit et de prendre le dernier transit. On ne peut pas se permettre de laisser le sanctuaire grand ouvert. Il suffit qu'une seule créature s'infiltre et toutes les provisions et armes qu'on a ramassées seront foutues. Mes proches et moi, on va rester jusqu'à ce que les secours arrivent. Je suis navré. Mais quand vous avez commencé à poursuivre un vaisseau qui ne viendrait jamais, vous avez dévié du plan. Sinclair terminé. C'est vrai que Sinclair, on n'en a pas entendu parler depuis un moment, hein. C'est vrai. A priori, c'est un peu un mec qui était en train de lever une espèce de rébellion. Dans la station Sébastopol, sauf que bah ouais, on en a pas entendu parler plus que ça en fait. Alors ça se trouve, j'ai peut-être loupé les enregistrements audio ou je ne sais quoi qui parlait de lui justement. Donc bon, c'est pas très très gênant en vrai. Mais bon, c'est sympa. Moi j'aime bien voir qu'il y a quand même un scénario de portée sur tout plein de détails comme ça en fait. C'est plutôt intéressant. Ok, démarrons les systèmes. On remet le courant, et voilà, voilà. Ça a marché? Ça a l'air d'avoir marché. On va rester discret malgré tout. Hein. Cette saloperie peut venir à tout moment. Ok, donc du coup, maintenant que ça c'est fait. On va pouvoir accéder à cette pièce, j'imagine. Wow. Non mais vas-y, j'ai pas eu le temps de tirer.
J'ai vu les caisses bouger, tu sais, et j'ai paniqué. Bon. C'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver. Je savais que j'aurais dû re-sauvegarder encore à cet endroit-là. C'est pas très grave. Allez, hop là. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. Bien. Du coup, je vais pas refaire la meilleure erreur. Je vais sauvegarder là. Ce sera fait. Ah bah d'accord, je comprends pourquoi il est marqué ennemi proche du coup. C'est cette saleté. Cette saloperie de salope. Ouais, je parle mal et alors. Je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Le camelot, encore et toujours, pack de recharge. Je suis arrivé ici quand ils étaient en train de sceller le sanctuaire. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. Peut-être à ce qu'ils changent d'avis et me laissent entrer. Peut-être à ce qu'ils me descendent comme ils font à tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Ils m'ont fermé la porte au nez. J'entends du mouvement à l'étage en dessous. Pas de temps pour les cérémonies. Sinclair et sa horde se sont emparés des provisions de Sébastopol et de la plupart de son arsenal. Mais j'ai aussi entendu des voix d'enfants. Je me demandais bien où ils étaient passés. Ils peuvent peut-être les protéger contre les monstres. C'est du moins ce que j'espère, malgré tout. Ouais, vous voyez ce que je disais, Sinclair et sa horde, là. Il a clairement recruté du monde... pour déclencher une simili-rébellion. Ok. Attends, je voudrais juste regarder. Et lâche ça, toi. Je vais juste regarder le détail de ces saloperies. Elles sont bien faites, hein, quand même. Hein. Putain. C'est dégueulasse. Alors. Démarrer le système des transits. Appuie un peu au pif, hein, quand même, sur ces claviers. Là-même. Accéder aux vols spatiaux via le quartier d'habitation. Donc ça doit être en face là-bas, j'imagine. C'est ça. Est-ce qu'on peut re-sauvegarder? Ben oui. L'abus des sauvegardes, quoi. Cet abus des sauvegardes. Bon, tu me diras, il vaut mieux hein, quand même faire ça. Parce que... Le problème c'est que là va falloir attendre et défendre la position le temps que le machin arrive. D'où est-ce qu'il pourrait arriver? Apparemment, il n'y a que là. Ok. Mon dieu, putain, mais le stress qu'il me fout ce jeu, c'est ouf quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant stressé dans un jeu, hein. C'est incroyable. J'aime pas trop le fait que je puisse... prendre mes armes pendant les trajets en train. Généralement c'est des trucs safe ça. Ok, c'est juste qu'il n'y avait pas eu de temps de chargement en fait. Ok. Ripley, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du cordon. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. On attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Je me demande encore comment j'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. J'ai
rien demandé, moi. À la base, je voulais juste une putain de boîte noire. Ok, du coup, accès aux vols spatiaux et quartier d'habitation, très bien. Ah, ce qui me semblait. J'ai nulle part où me cacher là. Ce stress, barre-toi. Non mais il fait des allers-retours quoi. Allez, casse-toi, retourne dans tes conduits de merde là. Où est-ce qu'il faut que j'aille exactement? Ouais, c'est là en plus, faut que je prenne l'ascenseur qui est juste là. Juste en face là. Eh merde. Ah merde, j'ai plus d'émetteur de son. Ok, parfait. Oh putain. On est d'accord, hein, c'est bien là. C'est ça. Oh, ce stress, les mecs. Oh, je suis désolé, c'est pour vous, c'est peut-être pas une séquence super agréable à regarder, parce que je fais rien du tout, je fais que me cacher. Mais je te jure, c'est un stress horrible, quoi. Et je vous invite à regarder... Eh merde. Sérieux quoi. Trouver un autre chemin vers le terminal de vos spatiaux. Pff, oh là là, j'en ai marre. Y'a rien qui se passe comme prévu dans ce putain de jeu, c'est insupportable. Ouais, donc je disais, je vous invite à regarder cette séquence avec un casque. Si vous avez un vrai bon casque et tout, parce que du coup, c'est comme ça que j'arrivais à me déplacer en quelque sorte. C'est moi ou ça tangle? Ah oui, ça tangle carrément ouais. Parce que du coup en fait j'entendais les déplacements de l'alien qui passait à droite et à gauche etc. Enfin c'est... comme vous avez pu le remarquer, j'étais à fond. Attends, où est-ce qu'il faut que j'aille? Vous êtes bien gentil mais... Abandonnez la station. Moi je demande que ça hein. Je ne demande que ça d'abandonner la station les mecs. Le problème c'est que vous n'avez pas l'air de vouloir me laisser faire. Ah putain, ça va pas du bon côté. C'est un cul-de-sac? Sérieusement? Je suis venu là juste pour ramasser des trucs de la camelote et des merdes comme ça, des trucs que j'ai déjà en 150 exemplaires. Très bien. Très bien. Putain. Mais non. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable.
portable synthétique d'urgence. Si j'avais déjà pas assez de l'alien, il y aura juste des synthétiques, ces bâtards. Aller où, bordel? Non mais sérieux, j'ai aucun chemin là. C'est quoi ce logo? Verrou de mot de passe. D'accord, donc du coup en fait faut que je lise ce truc. Si ce cadavre veut bien me laisser y accéder. Échec des stabilisateurs en retour. Je te jure. Abandonnez la station. 1984. Voilà. Je laisse le plaisir de lire. Là honnêtement les mecs, j'ai juste pas le temps. 1984. J'ai plus de lance-lame. Putain, ça devient chaud, ça devient chaud. Je stresse, t'imagines pas à quel point. Non, c'est sérieux, c'est juste pour ça. Ah, il y a une carte magnétique. D'accord. Attends, parce que j'ai vu qu'il y avait du carburant. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Ramasse le carburant! Ok, c'est bien beau, j'ai une carte magnétique. Maintenant, j'en fais quoi? Parce qu'il n'y a pas de porte. Il y a une porte là de l'autre côté, mais elle est bloquée. J'ai l'air blasé comme ça, les mecs, mais je vous rassure, c'est pas du tout le cas. En vrai, je suis stressé à mort là. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Aide-moi ça. Comment tu veux que je sois bien avec un connard pareil? J'essaie de voir si je peux pas interagir avec quelque chose. Tu vois, j'ai ça, mais... Salut. Là, il y a une porte. Je peux juste pas y accéder. Putain, il est pas sérieux. Il est pas sérieux, il est pas sérieux. Il y a rien à faire là-dedans, là. Rien à faire du tout. Bon, va falloir que je lise ce qu'il y a écrit, quoi. Gâche fort sa gueule, j'ai pas le choix. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Bien. A priori, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Alors j'ai raté quelque chose, mais là je comprends pas, là j'ai une carte magnétique, j'ai ramassé une carte magnétique. Ça doit probablement me servir à quelque chose. Donc, du coup on va relire le truc. Alors, on a rassemblé pu trouver un camp à la salle des temps, on a chopé un truc, tenté de se faufiler après 2 heures, on a balancé le monde limite de place. Dans le besoin, on trouve un endroit habituel, je veux pas les dire si mon scolaire a changé le code et si je le trouve là-bas, bien sûr, on va devoir s'assurer de la zone de la police. Échec des stabilisateurs en prison. Ok, ça ne m'aide absolument pas. Abandonnez la station. Ça ne m'aide pas du tout.
Il y a quelqu'un, c'était une verre, situation continue à empirer, il faut que vous laissiez rentrer maintenant, on va faire l'intérêt, vous confirmez, j'ai eu provision, quelqu'un pour un chemin. C'est pas par là. Bon. Bah, écoutez, je sais pas où il faut que j'aille. Enfin, si, techniquement, si, je sais. Hein, là, c'est marqué, j'aille là. Parce que je sais pas comment on y va, en fait. Putain, je vais essayer de retourner de ce côté-là, mais... Revenir en arrière, écoute. Hein. Parce que ouais, c'est bien. Évacuer la station. Ceci n'est pas un exercice. C'est bien beau, j'ai ramassé une carte magnétique. Le problème, c'est que je sais pas à quoi elle me sert. Là, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est bouché. Hein. Là, il n'y a rien à faire avec tout ça. Mais je comprends pas, là je fais que revenir en arrière, là ça me mène nulle part ça. Pff, oh là là. Bon. Réfléchissons. J'ai ramassé une carte magnétique qui me sert pour l'instant, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout à quoi elle me sert. Je suis allé là, au bout il n'y a rien, c'est fermé. J'arrive dans cette pièce, il n'y a aucune issue, même dans le plan, il n'y a rien de marqué. Comment je fais? Ça c'est là où j'étais juste avant, donc ça sert à rien parce qu'on peut plus y retourner de toute façon. Et là, transit vers le système Lorenz, machin. Là-dedans, il n'y a rien, c'est un cul-de-sac, on l'a vu. On continue à avancer, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Il va falloir que je trouve un endroit... Là, il n'y a rien à faire avec ça. Vous savez, des fois que... Là non plus. Là, c'est Keblo. Et là, et ben là, c'est un cul-de-sac aussi. Casse-toi, fils de pute. Allez, veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Je veux bien essayer de trouver une issue, mais... Non, mais sans déconner, il n'y a rien. La seule porte qui m'est disponible, c'est celle-là. À moins que je puisse escalader et que j'ai pas vu le truc juste avant, mais... Non, je peux pas y aller, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas, les mecs, là. Sincèrement. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonner la station. Non, puis là, y a rien du tout. Il y a ces deux trucs-là qui ne nous aident absolument pas, qui nous disent qu'effectivement, bah, la porte là où on veut aller, elle a été condamnée. Par ce truc-là. Hein? Voilà. Et si on suivait les câbles, effectivement. C'est pas con, ça, comme idée, Necros. Ok, il y a un truc ici. C'est ce que je voyais à l'instant, mais je savais pas si ça allait me servir. Donc effectivement, il y a peut-être un truc à faire avec ces câbles. Utiliser la carte magnétique, d'accord. Tout simplement. Ah du coup ça va, ok, ça me libère le passage. Quoi, il est bugué lui, comment ça se passe? Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Bien. Finir par y arriver, hein, avec ces conneries là.
Ok. Ensuite, ça met nous tout ça. D'accord, on voit que dalle. Ok. Je vais refabriquer, faut que je refabrique des cocktails. Ça me sauve quand même bien la vie ce truc là. Je crois que là je vais plus avoir assez pour en faire un autre par contre. Ouais. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. Ok. Ouh, c'est quoi ça? Camelot, Camelot, mélange B. Parfait. Donc, est-ce que tu crois qu'il peut venir ici l'alien? J'ai pas l'impression qu'il est de trappe en fait. Je voudrais bien pouvoir accélérer un peu. J'en ai marre de tout faire à genoux. Ok. Bon. Allez, veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Bon. Moi, je stresse. Non, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression. C'est pas parce que vous m'entendez pas parler que je pète pas la forme là. Hein. Pas ça du tout! Pas ça du tout, j'ai dit! Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Passe-toi! Dégage! Casse-toi, je te dis! Pas vrai! Putain, mais il va pas me laisser tranquille! Je vais vider tout mon stock de. Cette séquence n'est pas du tout flippante. Je sais pas où je vais. Non mais genre quoi, putain. Ouais, il s'est barré. Il s'est barré. Profitons-en. Je me suis éloigné, putain, merde. Est-ce que je ferais pas mieux de me cacher en fait? Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation qui fait que j'ai l'impression de ne pas avancer dans le jeu. Là, j'ai l'impression de chaque épisode, en fait, j'ai l'impression de pas avancer parce que, ouais, je sais pas, peut-être dû à la flip, effectivement, peut-être dû au fait que je ne suis qu'une lopette, effectivement, ça peut jouer. Celle-là que je veux. Ok. Bon, si vous ne voyez rien, c'est tout à fait normal. Ok, j'entends un point de sauvegarde. Bien. Je sais pas si j'ai envie d'aller là-dedans. Ouais. Ok, du coup, maintenant que je suis là, je crois que je vais pas avoir le choix en fait d'y aller dans le conduit. Parce qu'il y a une porte ici, elle m'a tout l'air d'être complètement et totalement fermée. Et c'est là-bas qu'il faut que j'aille, a priori, donc on va devoir.
entrer dans le conduit. Alors ce qui est chiant, c'est quand t'es dans les conduits et si l'alien a le malheur de rentrer dedans aussi, en fait t'as juste aucune chance de t'en sortir. T'as beau lui cramer la gueule comme tu veux, ce sera trop rare pour qu'il... Ça arrive que très rarement qu'il se barre en fait. Et qu'il décide de laisser tomber. En tout cas, il est toujours là, ça y est, pas de doute. Générateur opérationnel. Oui, bah ok. Ah non, mais d'accord, oui, l'opérationnel en mode... Le courant est déjà là, quoi. Ok, là-bas. D'accord, c'est ça. Du carburant, parfait. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Carte d'accès requis, je suis fou de ma gueule. Bon, a priori, il y a un cadavre qui traîne, là. Il est là-bas. On va espérer que c'est lui qui est là. Qui a la carte d'accès. Je regarde s'il n'y a pas de... Ah ok, c'est bon, je l'ai. Putain. Ils font pas beaucoup de bruit celles-là, mais alors elles font bien flipper quand elles arrivent. Là par contre c'est pareil, là où ils ont pas été salauds, c'est qu'elles avancent pas vite. Hein. En vrai, dans le film, mon gars, tu vois la vitesse où elles vont, ça a rien à voir. Écoutez, que vous faites partie de l'équipe, on a cédé le sanctuaire du quartier d'habitation. Il y a une entrée et une sortie. J'ai encore quelques groupes de raids en route pour payer des provisions et des armes, mais j'ai l'impression qu'on va fermer juste après. Évacuer la station. Ceci n'est pas un ils ont commencé à s'éloigner de leur poste. J'ai vu une chaîne de cadavres étranglés dans des lieux publics. Alors faites gaffe. Oh, et si vous m'écoutez et que vous ne faites pas partie de l'équipe, ne venez pas nous trouver. On n'hésitera pas à ouvrir le feu. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. Très bien. Du coup, je sais même pas. Déjà, en fait, c'est le problème de ce jeu-là. Il y a deux, trois petits détails qui me gênent, comme par exemple ce genre de truc-là. En fait, tu fais des choses, tu sais pas pourquoi ni comment, tu sais pas à quoi ça sert. C'est des trucs, c'est vraiment particulier. Là, je viens d'activer un truc, je sais même pas ce que c'est. C'est complètement étrange, quoi. Trouver un autre chemin vers le terminal de vols spatiaux. Machin, déployer la plateforme de morquage sur le terminal. Ouais, non, mais ça, ok, mais tout ce que je fais avant, je sais pas à quoi ça sert, quoi. Bon, toujours est-il qu'il y a l'alien qui est pas loin, là, a priori. Il avait l'air d'être énervé, en tout cas. J'ai fait quelque chose qui l'a énervé, a priori. Je veux juste m'en aller! Des victimes, tu vas en avoir plein d'autres, laisse-moi en paix, quoi! Merde! Dégage! Putain, mais casse-toi, bordel de merde! C'est pas possible, quoi. Eh merde! Je la fais, cette sauvegarde ou pas? Je crois que ça va être la plus belle sauvegarde corrompue de toute ma partie. Il est où? Ah, il est là. Ah,
Eh non, tu ne m'as pas vu. Allez, va donc te faire cuire un œuf ailleurs. M'emmerde pas. Où c'est qu'il faut que j'aille, moi? Que je retourne en arrière, que je refasse. En fait, faut refaire tout le tour. Super. Mais t'es pas sérieux ? Le truc a bugué quoi, putain ça me rend fou. Bon allez, fuck it. Mais bon, j'en ai marre. Bon, ça bien faire vos conneries. Est-ce que c'est bien là qu'il faut que j'aille? J'en sais rien, moi j'en sais rien du tout. Quoi ça va me servir de venir ici? Aucune idée. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner. Donc là je reviens là, mais je sais pas où je dois aller, je sais pas où je vais. Je comprends rien moi. Donne-moi cet objectif, il veut rien dire. C'est n'importe quoi, putain de merde. J'en peux plus de ce jeu, ça me rend fou. La station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. J'ai loupé quelque chose là-dedans ou pas? Un point de sauvegarde. Ah bah il lance flamme. Bien. Bon, je suis désolé pour cette version de moi que je vous dis, j'ai l'impression d'être blasé. Enfin, je peux vous donner l'impression que je suis blasé, mais en fait non, vraiment pas. C'est juste que je voudrais me barrer et je flippe à mort. Et j'en peux plus. Je suis fatigué en fait plus qu'autre chose. Donc du coup oui forcément c'est pas que ça me blase, c'est que ça me fatigue. Et le problème c'est que j'arrive pas à me repérer, je sais pas ce que je fais là. Je ne sais juste pas ce que je fais. Il y a un élément du décor qui est bugué. Je sais pas ce que je fais, je sais pas pourquoi je le fais, ni comment. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Je comprends pas, je sais pas où je dois aller. Ah là c'est scripté ce truc là. Certes c'est chouette. La façon dont il se déplace, tout ça, c'est beau, mais... bah, il se casse. Super. Donc, du coup, voilà, c'est frustrant, en fait. Je sais pas par où je dois aller. Eh ben, il va te faire foutre. Culé, là. Ah mon dieu. Bref. Bon, j'ai vu qu'il y avait un truc. Apparemment, faut que je redémarre la station. J'en peux plus. J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. C'est insupportable. Bref, du coup, on s'arrête là. Donc pour cet épisode,
Là, je suis dans une mer de noir, les mecs. J'ai plus de lance-flammes. J'ai plus qu'un cocktail au Molotov. J'ai vraiment plus grand-chose pour me défendre. J'ai un objectif qui est de l'autre côté là-bas, mais je sais pas où est-ce que ça va me mener. A priori, a priori, ça me mène au bon endroit. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Désolé encore une fois pour cet effet de blasage total que je peux éventuellement donner l'impression dans ma voix, mais je vous rassure, c'est pas le cas. Je suis juste fatigué de cette alien, c'est tout. Et je voilà, c'est pour ça que chaque fois je souffle quand je meurs parce que j'en peux plus de mourir. C'est au-dessus de mes forces. Voilà. Bref, sur ce, merci à tous. Moi, je vais faire une petite pause et je vous dis à très bientôt, chers amis, pour la suite de cette aventure et probablement fin une bonne fois pour toutes là définitivement. On va essayer d'en finir avec cet alien de mort. Voilà. Allez, des bisous à tous et à très bientôt. Bye.